Bonjour à tous, alors la suite Office complète vaut la bagatelle de 149 € lorsqu'on l'achète en achat définitif. Et on va voir que pour les enseignants, il y a une très bonne promo puisqu'on peut l'obtenir pour le tarif de 16 €. Et là, je parle bien de l'édition définitive et non pas de Microsoft Office 365 qui lui est rien d'autre qu'un abonnement déguisé en fait, hein, puisque vous n'êtes jamais propriétaire de la suite Office. Donc avec la petite astuce que je vais vous montrer, on peut le choper à 16 €, mais pour ça, comme je disais, il faut faire partie de l'éducation nationale et disposer d'une adresse email éducation. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur le site internet, enfin sur le lien que je vous donne directement en description. Puis ici, vous allez cliquer sur choisir parmi une liste, puis vous allez choisir là-dedans, dans mon cas, éducation nationale. Puis on clique sur continuer. Ensuite, dans choix du guichet, vous allez choisir votre académie. Donc moi, je vais choisir l'Académie de Lyon, mais vous prenez celle qui vous correspond, puis vous cliquez sur « Valider ». Ensuite, vous allez saisir ici votre pseudo et votre mot de passe OTP. Je crois que ça marche aussi sur eProf ou sur le mail académique. Donc, c'est les mêmes identifiants et mots de passe que pour les sites que je viens de citer, sauf erreur de ma part. Puis, vous allez cliquer ici sur « Valider ». Ensuite, ici, plusieurs choix s'offrent à vous et ne vous trompez surtout pas. Regardez bien, vous avez des versions 2016 et ici, des versions 2019. Donc évidemment, on va se tourner plutôt du côté de la 2019 en fait, hein, tant qu'à faire, puisqu'elle fera mieux que la version 2016. Alors ensuite, il y a un autre petit piège, c'est qu'ici, on a la version qui va fonctionner uniquement sur PC, ou celle-ci qui va fonctionner aussi bien sur PC que sur Mac. Donc encore une fois, tant qu'à faire, autant prendre celle qui a le plus de possibilités, à savoir cette version-là. Donc on va cliquer ici pour choisir cette version là. Donc faites bien attention dans cette étape parce que vous verrez dans l'étape d'après on ne pourra pas voir ce qui avait été sélectionné, donc vous ne pourrez pas revérifier plus tard si vous avez bien effectué le bon choix. Donc là je choisis 1 la version 2019 et 2 celle qui tourne aussi bien sur Mac que sur PC. Allez c'est parti. Alors éventuellement, concernant la 2019, si vous avez vraiment un vieux PC avec un vieux Windows, c'est la seule raison qui pourrait vous faire choisir la version 2016, puisque là on nous indique que Office 2019 est uniquement compatible avec Windows 10, ce qui demande quand même à être vérifié en fait, je suis pas certain, il faudrait voir si ça marche pas sur du Windows 8 ou sur du Windows 7 quand même, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est sûr que Microsoft Office 2016 offrira une compatibilité récurrente plus importante puisqu'il est plus ancien. Mais bon, moi je conseille quand même de partir sur la version 2019. Donc le coût de l'opération est bien 12,99 €. Et c'est parti, on va l'ajouter à notre panier. Alors là, vous ne faites pas piéger, en fait, désactiver ce truc qui ne sert à rien. Dès lors que vous sauvegardez bien vos codes et le fichier téléchargé, donc l'installeur de Office, cette fonctionnalité-là ne vous servira à rien d'autre que rajouter 6 € pour rien. Donc on le désactive. Et puis ici, on va cocher prêt une fois qu'on a terminé, comme ceci. Ici, dans nom d'utilisateur et dans signature, entre parenthèses, nom du type, vous mettez tout simplement le prénom et le nom, enfin prénom, espace, nom, et vous copiez tout ça et vous le recollez là-dedans, vous mettez exactement la même chose dans les deux cases. Donc, prénom et nom, et de nouveau prénom et nom, puis vous cliquez sur accepter. Une fois qu'on est là, vous avez vu, ils m'ont recollé la garantie que j'avais refusée, donc on va cliquer de nouveau là-dessus. Et on voit qu'on ne peut pas le désactiver, donc il faut revenir à l'étape d'avant, malheureusement. On va retourner dans notre panier et on va supprimer la petite extension de garantie qu'on nous a rajoutée sans notre autorisation. Ensuite, je reclique sur prêt en m'assurant que c'est bien désactivé. On recommence à mettre ce que je vous avais dit, à savoir le nom, prénom, puis on fait accepter. On verra s'il va me recoller l'assurance à 6 €. Et non, ça y est, il a enfin compris qu'on n'en voulait pas, et donc on se retrouve bien avec un total de 12,99 €. Alors là, petit détail important concernant la carte de crédit, sous Google Chrome, il y a une incompatibilité au niveau de la facturation par carte de crédit. Donc, soit vous utilisez un autre navigateur, style Firefox, Internet Explorer, Edge, pourquoi pas, soit vous faites comme moi, vous passez sur PayPal, et comme ça, vous n'aurez aucun problème. Alors tout à l'heure, j'ai un peu dit une bêtise, il s'agissait du tarif hors taxe, puisque avec la TVA, on remonte à 15,59 €, mais c'est vrai que par rapport aux 150 € normalement demandés, c'est pas cher, et c'est même, je dirais, par rapport aux 280 €, puisque, sauf erreur, vous allez avoir la version Home and Business, donc c'est-à-dire, c'est pas la famille et étudiant,
C'est la version business, en fait, petite entreprise de Office 2019, qui contient des applications supplémentaires par rapport à la version Office famille et étudiant, qui coûte donc 150 euros, mais qui a des logiciels en moins par rapport à celle que vous aurez pour la modique somme de moins de 16 euros. Donc ensuite, on va cliquer sur poursuivre le paiement, puis sur envoyer. De là, je me connecte avec le compte PayPal et je clique sur continuer. Et là maintenant, l'étape la plus importante, vous allez copier votre clé produit à un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Alors soit vous vous envoyez un mail, soit vous enregistrez ça dans un fichier texte que vous mettez sur plusieurs clés USB, je ne sais pas. Mais bref, c'est juste la chose la plus importante dont vous avez besoin. Donc ça, bah, mettez-le bien de côté, même si une fois que la clé sera enregistrée dans votre compte Microsoft, la clé aura moins d'importance, on va dire. Mais quand même, je vous conseille de la mettre très précieusement de côté. Et aussi, bah, quand vous aurez créé votre compte Microsoft et que vous aurez mis la clé à l'intérieur, votre clé Office, bah, pareil, conservez très bien, vraiment à la perfection, votre compte Microsoft. Que ce soit l'email ou le mot de passe qui vous permettent d'y accéder, puisque pour une prochaine réinstallation d'Office, bah, ces identifiants vous seront demandés. C'est même plus important presque que la clé qui sera, elle, comme je disais, enregistrée dans le compte Microsoft. Donc voilà, c'était la marche à suivre pour les enseignants, mais pas que. Je pense qu'il y a d'autres professions qui peuvent en bénéficier dans le public, qui permet d'obtenir la suite Office Business pour la modique somme de moins de 16 euros. Alors aussi très important, n'oubliez pas de télécharger l'installeur du logiciel en cliquant bah, sur le bouton télécharger comme je viens de le faire, et là vous allez le sauvegarder dans un coin de votre disque dur. Donc on clique sur téléchargement, vous avez vu, vous n'avez que 31 jours hein, pour le télécharger, donc faites-le bah, tout de suite évidemment. Et là pour le téléchargement, il va falloir se connecter avec votre compte Microsoft ou alors en créer un pour l'occasion et donc associer votre clé comme je voulais dit tout à l'heure. Voilà, ça, à la limite, l'installation d'Office, ça peut faire l'objet d'un autre tuto. Mais là, l'idée de ce tuto, c'était vraiment de se concentrer sur l'achat de la clé à moins de 16 euros. Et on est arrivé à notre objectif. Voilà, salut à tous et à bientôt pour d'autres tutoriels ou autres vidéos sur ma chaîne jeux vidéo rétro ou sur ma chaîne de test produits dont vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Salut à tous.